donner au frère le micro. Tout le monde est là? Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais juste savoir, parce que je voulais demander une question pour savoir est-ce que vraiment un chrétien doit être lié. Comme la Bible nous dit, il y a une verset, si je me rappelle bien, dans le livre des Corinthiens, la Bible dit que les chrétiens ne pourraient jamais être liés, c'est lui qui croit en Jésus. Et Romains 8, ça dit, il n'y a pas de condamnation à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'un chrétien peut être lié ou il peut être tenté? Parce que si je vois bien, quand Jésus-Christ a ressuscité Lazare, il a dit, Lazare, lève-toi, et puis il a dit encore, délie-le. Est-ce qu'un chrétien a besoin d'avoir aussi la délivrance ou il est déjà délivré tant qu'il a fait le baptême? Non, il y a vraiment un problème d'interprétation. Quand le Seigneur a dit « déliez-le et laissez-le aller », à l'époque, les morts étaient bandés. C'est tout. Il y avait des bandes tout autour. Ce n'était pas des liens spirituels. On en fait une interprétation allégorique ici. Ce n'est pas ça. Pas du tout. On doit faire une interprétation littérale ici. Parce que Lazare a été ressuscité littéralement et non spirituellement. D'accord? Ça, c'est des sectes, des gens qui ne comprennent pas la parole et qui vont l'interpréter à tous azimuts, dans tous les sens, pour manipuler les gens, pour contrôler les gens. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien est un enfant de Dieu qui, au départ, était lié par le diable, lié par le péché, attaché au péché. Il ne pouvait pas se passer du péché. Et Dieu vient avec la parole, l'épée de l'esprit, la parole. Il coupe ce lien. Ces liens familiaux, ancestraux, tout ça. Tout est coupé à la conversion. Tout est coupé à la conversion. D'accord? Et c'est pour cela qu'on dit que la personne est devenue chrétienne. D'accord? C'est disciple de Christ. La personne peut suivre Christ, peut se soumettre à sa parole. Parce que elle est libérée par la parole de Dieu. Ça s'appelle la conversion. Donc, ce chrétien-là ne peut plus être possédé par le diable. Non! Cette personne va être combattue, bien sûr, peut avoir des pensées un peu que l'ennemi lui envoie, mais il va les chasser à chaque fois, ses frères et sœurs, mais ils ne sont plus liés. Ceux qui vous disent que les chrétiens peuvent être liés, à moins qu'ils ne tombent dans un péché, qu'ils ne se repentent pas. Alors c'est clair que les démons reviennent. Mais sinon, ceux qui enseignent cela, ils deviennent des thérapeutes. Ils veulent que vous soyez leurs patients. Comme ça, vous allez voir l'homme de Dieu tous les quatre matins, merci, pour avoir un suivi, pour être tendu, parce que si le pasteur te suit, eh ben tu vas te débourser, hein. Voilà, tout ça là, c'est, on est libre, on est libéré par le Seigneur. Maintenant, on va suivre le Seigneur véritablement. Amen. On peut être enseigné par ces personnes, il n'y a pas de problème si elles craignent Dieu, mais de là à dire qu'un chrétien peut être lié, attendez, il y a un problème. Non, la liberté. Oui, ma soeur. Bonjour, je voulais demander par rapport à le micro. Par rapport à l'enseignement que vous avez donné, là, les livrets et le blé, j'aimerais savoir si quelqu'un, au départ chrétien ou pas, peut être le blé, un enfant de Dieu, ou être bien. Et devenir livré. Et devenir après afficher des comportements. De livré. Oui, ça peut arriver. Et d'ailleurs, Paul dit aux Corinthiens, vous êtes charnels. Ils avaient la parole, ils avaient la connaissance, tout ça, mais ils étaient complètement charnels. Un chrétien qui est charnel, qui devient charnel, peut avoir un comportement qui se rapporte un peu plus au comportement des personnes identifiées comme étant livrées. Oui. Parce que c'est par rapport à le micro. Ma famille. Par rapport à dans ma famille, par exemple, je ne veux pas dire la personne, mais quelqu'un que j'ai connu, que je peux dire que... qui pour moi était un modèle, qui, je peux dire aujourd'hui, celle que je suis, ce que je suis, ça vient d'elle. Et aujourd'hui, il a un comportement que je ne reconnais pas. Et j'ai du mal C'est un homme, une femme? C'est un homme. C'est une femme. Ok, donc elle est devenue, elle est repartie dans le monde. Elle n'est pas dans le monde, hein, je peux dire. Elle est chrétienne? Elle est même maman pasteur. Bon, enfin, okay. C'est la femme de mon père qui m'a élevée. Ok. En fait, le problème, c'est que peut-être quand tu t'es converti, tu ne voyais pas vraiment son comportement
charnel. Hein? Peut-être que tu étais tellement ébloui par... Elle m'a élevé. Oui. Et j'ai reçu Christ là-bas. Ok. Aujourd'hui, je suis chrétienne. La femme. Où elle est devenue, elle s'est paganisée. Mmh. Elle, elle est aujourd'hui, elle est toujours dans la parole. Elle est maman pasteur. Et mon père même est devenu pasteur. Mes frères, mes sœurs. Mais malheureusement, je suis pas en contact avec eux. Malheureusement, souvent, quand une femme devient pasteur, déjà, on ne voit pas dans la Bible une femme pasteur. Quand elle devient pasteur, et très souvent, elles sont dangereuses. Hein, parce que, vous savez, quand c'est, chacun doit être à sa place. Hein, voilà. Donc, là, ça ne m'étonne pas. Donc, comme elle n'est pas à sa place, ben, elle ouvre des voies, elle apporte à toutes sortes de choses. Hein, et c'est normal qu'elle soit, elle devienne comme ça. J'ai du mal à accepter qu'elle soit devenue mauvaise parce que moi, je ne l'ai pas connue comme ça. Mais elle s'est paganisée. Il faut faire attention parce que le chemin est long. Et il y en a qui tombent sur la route. Hein. Un chemin, un cours de chemin. Dieu peut sauver des gens comme ça. Si elle se repent, oui. Cette personne, si elle se repent, oui. Bien sûr. Question ? Ok. Ok. Vous dites en fait qu'on se convertit. En fait, Ouais, tu peux y aller. Quand on se convertit, tous les liens sont coupés. Tous les liens sont coupés à la conversion. Donc, les liens familiaux, les tout. Liens... Mais je ne comprends pas parce que du coup, en fait, je connais une personne, un chrétien, enfin, peu importe, enfin, une personne chrétienne, elle a donné sa vie au Seigneur, mais vous dites que les liens sont coupés, mais je ne comprends pas parce que trois ans après, elle se rend compte que son âme est possédée, en fait. Donc, comment c'est possible ? Très bonne question. On a des cas où des chrétiens sont encore possédés. Et on se pose la question, mais Seigneur, si ces gens sont délivrés à leur conversion, comment ça se fait qu'ils sont toujours possédés? Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est ce sont des personnes qui sont véritablement converties, comme d'autres, comme dans les Écritures, on a le cas de Démas, hein, qui a abandonné la foi par amour pour le monde. Paul le dit. Démas était un collaborateur de Paul. Paul l'avait même recommandé aux frères et sœurs. C'était un chrétien engagé. Mais en coup de route, hein, pendant sa marche chrétienne, eh ben, il s'est laissé séduire par l'ennemi et il est reparti dans le monde. Et la parole nous dit dans ce cas-là, pour ces chrétiens qui se détournent de la vérité, le Seigneur dit lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, dans Matthieu 12, il va par des lieux arides, cherchant du repos, mais il va pas en trouver. Et il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée, vide et ornée. Et il s'en va prendre sept autres esprits plus méchants que lui. Et ils s'y établissent. Et la dernière condition de cette personne est pire que la première. D'accord? Et on a, Pierre le dit dans 2 Pierre 2. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. C'est écrit. Donc là, c'est des personnes qui se convertissent, mais qui repartent dans le péché, qui ouvrent une porte. Il lui suffit seulement que tu dormes avec la colère. Paul le dit. Pour que l'ennemi revienne. Voilà. Okay. Et la deuxième hypothèse, c'est des gens qui n'ont jamais été convertis, des gens qui ont fréquenté les assemblées, qui ont côtoyé les chrétiens, qui ont même prêché l'évangile, chanté dans les chorales, mais ils n'étaient pas convertis. Ils avaient une double vie. Ok, mais du coup, comment c'est possible qu'une porte s'ouvre si le chrétien, il n'a pas toute la connaissance, en fait? Comment c'est possible que des portes... Enfin, ok, il y a un démon qui part, mais comment les sept autres, ils peuvent venir s'il n'a pas... toute la connaissance, en fait. Rassure-toi. 1 Jean chapitre 2 nous dit, au verset 20, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. » Tu vois ce que je veux dire? Donc, rassure-toi. Une personne qui se convertit véritablement, regarde, as-tu déjà été amoureuse? Qui t'a enseigné l'amour? Personne. On acclame le Seigneur. Alléluia. Vous voyez? Bon. Regarde, est-ce qu'il y a des choses que tu as commencé à faire une fois que tu es tombée amoureuse que tu ne faisais pas avant? Oui. Qui t'a appris à faire ces choses? Personne. Non, je n'entends pas. Personne. Personne. Pourtant, une fois que tu es tombée amoureuse, tu as eu toute cette connaissance-là. Tu peux même devenir, l'homme peut devenir même poète alors qu'il n'a pas appris la poésie. Il devient ponctuel alors qu'il n'a pas été enseigné sur la ponctualité.
Il devient un parfumeur alors qu'il n'a jamais appris à se parfumer. Il devient coiffeur. Il se coiffe bien comme il faut. Il regarde dans la glace. Il dit, mais qui t'a appris tout ça? Il sourit. On va dire, c'est pour te dire que c'est l'amour qui m'a appris tout ça. Tu comprends? Donc, une personne qui se convertit, eh bien, Dieu vient et remplit son cœur de son amour. Et la personne devient amoureuse de Dieu. Donc, tout ce qui est mensonge, impudicité, colère, ce n'est pas un pasteur qui doit apprendre à cet homme, là ou cette femme, ces choses. Dieu directement lui apprend. Tu comprends? Voilà. T'as compris, hein? Que Dieu soit béni. Oui, ma soeur. Alors, ce que je veux retenir de ce que vous venez de dire, c'est que le problème se situe donc au niveau de la conversion. C'est-à-dire que si vraiment on n'est pas converti, on ne peut pas recevoir cette parole qui dit qu'on n'est plus lié. Effectivement. Alors, comment savoir qu'on est vraiment converti? Très bonne question, ma soeur. Et le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, il dit, méfiez-vous des faux prophètes, car ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au fond d'eux, ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur parler en langue, à leur don de prophétie, à leur miracle, à leurs fruits. Et ces fruits sont dans Galates. L'amour. D'abord, l'amour pour Dieu, l'amour pour la vérité. Comment savoir qu'on est converti? Eh bien, on va commencer à aimer la vérité, même si c'est dur. Amen. Voilà. Deuxièmement, on va commencer à aimer les gens. C'est-à-dire, on ne va pas comprendre. Mais avant, je détestais les gens, mais maintenant, malgré moi, je les aime. On t'insulte, tu bénis. Pas toujours facile. Hein? Je dis, mais j'ai changé. Mais avant, tu vas commencer à te dire, mais quand mon mari m'insultait avant, je répondais. Mais aujourd'hui, je le regarde, je souris. Alléluia. Waouh. La joie. On te critique, on te... Parfois tu pleures, c'est vrai, et tu as la joie quand même. La paix. Avant, quand tu entendais les mauvaises nouvelles, tu étais excité, tu étais tout agité, mais tu entends les nouvelles, tu dis, mais que Dieu soit béni. Et d'ailleurs, ce changement-là, ce sont les autres qui vont le constater. Je dis, mais tu as changé, ma soeur. Tu vois, non? Voilà. Oui. Je suis désolée de monopoliser la parole. Non, pas de problème. Alors, je parlais justement du changement. Comment expliquer que d'une personne à une autre, le changement se fait soit très très rapidement dès que la personne accepte le Seigneur et le changement se fait pour l'autre personne de façon progressive. Comment expliquer cela? Ok, très bonne question. En fait, le problème, c'est toujours, au niveau de la conversion. Et vous avez des gens qui fréquentent des assemblées, comme là. Ils entendent le même message que tout le monde. Mais ils ne vont pas le comprendre de la même manière. N'est-ce pas? Et parce que les cœurs ne sont pas forcément disposés de la même manière. Voilà. Et il y en a, ils sont disposés. Et ils vont recevoir la parole et être changés par le Seigneur rapidement. D'autres, ils ont encore des soucis, ils ont encore plein de choses, tout ça. Et puis ils vont repartir tels qu'ils sont venus. Mais comme ils sont sincères dans leur démarche, Dieu, en son temps, il va se révéler à ces gens. Voilà. Tu vois? Voilà. En fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, la base, la conversion. Tout se situe au niveau de la conversion. Voilà.